Oui, fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus. Tu es fort par les sangs de Jésus. Alléluia. Nos capacités viennent de l'Éternel, Yahweh. Oui, par le sang, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Comme la parole nous a dit ce matin, nos capacités viennent de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Ta force est dans le sang de Jésus. Ma force est dans le sang de Jésus. La force de maman Mireille est dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. La force de l'évangéliste Vincent est dans le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La maison de félicité est plongée dans le sang de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu encore ce soir. Il nous reste 2-3 minutes. Je vais encore inviter nos amis. Partageons ce temps. Enfin que nous découlons tous ensemble. Gloire à Jésus. Fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, alléluia, par le sang. Gloire à Jésus. Soyez fort ce soir. Soyez fort, Église. Soyez fort par celui qui vous fortifie. Soyez fort, vous êtes fort par le sang de l'agneau. Vous êtes fort, vous qui croyez au nom du Fils de l'homme. Alléluia. Vous êtes fort, vous qui croyez au nom de Jésus-Christ. Tu es fort, toi qui crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es fort. Je dis tu es fort. Je répète, tu es fort parce que tu crois au nom de Jésus. Tu crois au nom de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Oui, tu es fort. Tu as vaincu le monde. Tu es plus fort que le monde et l'esprit qui est dans ce monde. Car l'esprit qui est en toi a vaincu le monde. Alléluia. Sois béni. Shalom, ma sœur Limor. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Nous donnons, nous offrons le temps à nos frères de se connecter. Partageons ce temps aussi sur nos murs. Fort. Oui, par le sang, je suis mon sauveur. Fort, fort, oui, plus que vainqueur. Quand j'écoute ces chants, j'ai des frissons. Mon sauveur, oui, fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, alléluia, alléluia. Alléluia. Il est heureux pour un peuple de célébrer la seigneurie de leur roi. Alléluia. Et nous devons toujours être émerveillés lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Ma joie vient du cœur. Elle vient de mes entrailles. Parce que Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre paix. Jésus-Christ est notre joie. Jésus-Christ est notre espoir. Il est notre espérance. En fait, nous avons tout en Christ.
nous sommes en Christ, plongés en Christ, alléluia. De la même manière qu'un poisson est dans l'eau, immergé dans l'eau, c'est ainsi nous aussi, nous sommes plongés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, et c'est au milieu de sa grâce, de sa gloire, c'est dans sa présence qu'il fait beau vivre. Laisse que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Shalom, shalom à tous. Il est 20h36. Nous allons donc commencer la prière de ce soir. Et je prierai nos bien-aimés qui sont sur Messenger d'éviter de faire des sons parce que ça dérange les autres. Sinon, nous sommes aussi directement sur le direct, hein, sur Facebook, pour permettre aussi à nos frères qui sont loin de pouvoir participer. Et en même temps aussi, ça nous permet sur Facebook de garder les images, mettre sur YouTube. Et ça pourra nous permettre demain ou d'autres personnes de bénéficier. Laisse que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis encore heureux ce soir de voir Évangéliste Emmanuel. Shalom, homme de Dieu, comment tu vas? Je vais bien, papa. Par la grâce de Dieu. Ah, gloire à Jésus. Que Seigneur soit loué. Je vais passer à rêver tout le monde. Comme ça, je vais entendre la voix de tout le monde. Et quand j'attends ta voix, j'attends aussi la fidélité de Dieu. Maman Germaine, shalom. Allô, Maman Germaine. Maman Germaine ne veut pas que je félicite la fidélité de Dieu. Allô, Maman Germaine. Non, je pense qu'elle a mis l'appareil et elle ne répond pas dedans. Ma sœur Limor, shalom. Comment tu vas? Ah, bonjour ma soeur, comment tu vas, ça va? Oui, ça va. Gloire à Dieu, la bonté de Dieu. Maman Mireille, la bonté de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Noïssa, comment tu vas? Ça va, merci. Ah, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je suis encore très heureux de nous revoir ce soir, que le Seigneur bénisse notre sœur Nadia, bonsoir, hein? Elle est déjà en ligne sur Facebook. Que Seigneur nous bénisse. On a notre sœur Félicité qui est là. Gloire soit rendue à Dieu. Hein. J'aimerais dire que nous avons prié pour Seb. Seb, le mari de notre sœur, va bien. Hein, ça fait un temps. Hier, je n'ai pas pu en partager. Je bénis le Seigneur parce que quand nous nous recommandons dans le Seigneur, il faut que nous soyons des fruits de cela. Donc, que Seigneur le bénisse et que Seigneur vous bénisse pour tout ce qui avait eu le temps de prier pour notre frère Seb. Hein, que Seigneur soit loué. Que le Seigneur bénit aussi Zekou qui vient de nous joindre. Ça va, Zekou? Oui, ça va, ça va. Ah, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Papa Washington, quelle joie encore d'être parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très merci, content. Papa, merci. Gloire à Jésus. Comment va Maman Nancy? Maman Nancy va bien? Elle va bien, papa. Elle va bien. Merci, papa. Ah, gloire à Dieu. Très bien. Alors là, ma joie est plus que la vôtre. Nous bénissons le Seigneur, il est, on va dire, presque 20h39 précisément. Nous allons prendre le temps de la prière pendant 20 minutes. Nous allons élever le nom du Seigneur, nous allons glorifier notre Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre conscience que tu es dans la présence de Dieu. Cet lieu saint ne permet à personne de te déranger. Notre Dieu, il est omnipotent et omniprésent. Cela veut dire que dans ta maison, ce n'est ni tes portes, ni tes murs qui peuvent empêcher la présence de Dieu. Prends conscience que tu es dans la présence de Dieu. Parle à ton Père qui est dans les cieux. Lui qui écoute la prière des saints, il t'écoutera et il t'exaucera. Et j'aimerais dire quelque chose qui est très important. Parce que souvent, lorsque nous donnons un sujet de prière, ce n'est pas pour rien qu'il y a des lits dans la prière. Pourquoi? Parce que nous voulons, comme un seul homme, parler à l'Éternel, notre Dieu. Hein? Donc, quand on est dans l'adoration, on est dans l'adoration. Quand on remercie Seigneur, on remercie Seigneur. Essaie de prêter l'oreille et tu seras conduit aussi dans la prière. Quand il faut remercier, remercions. Quand il faut demander pardon, demandons pardon. Quand il faut demander pour ta vie, en ce moment, demande pour ta vie. Hein? Ne mélangeons pas le sujet à chaque fois, mais essayons que tous ensemble, nous soyons comme un seul homme devant l'Éternel, notre Dieu. Et cela, ça sera vraiment très important. Et après ces temps de prière, notre bien-aimé évangéliste Emmanuel va nous accompagner vers la fin du chapitre 21 de cette,
de Matthieu, hein, Matthieu chapitre 21. J'espère que ce soir, nous pourrons finir ces chapitres pour pouvoir de demain commencer avec Matthieu chapitre 22. Alors, j'aimerais qu'ensemble, hein, par ces mélodies, je suis force, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, que tous ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur, dire à Dieu merci encore pour cet moment qu'il nous accorde dans sa présence. Hein, disons à Dieu merci parce qu'il nous permet de s'approcher encore de l'Éternel, notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ces moments de prière. Tendre Père, nous te disons encore merci, Seigneur, ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ces moments que tu permets, ces moments que tu as écrits, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos esprits, afin que nous puissions venir, Père éternel, devant ta face. Merci pour ce temps, Père Saint, que tu as réservé, afin que ton peuple soit réuni dans ta présence pour pouvoir, Seigneur, te célébrer, pour pouvoir te louer et t'adorer. Seigneur, merci car tu nous réunis en ton nom. Et tu l'as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, merci car ce soir, en ton nom, Seigneur, nous sommes réunis, Seigneur, en distance physiquement, mais en esprit, Père éternel, tous, nous sommes dans un seul lieu, devant ton trône de grâce et devant ta présence. Seigneur, merci, car tu nous accordes ces temps où ton nom est élevé, ces temps où ton nom est glorifié, ces temps où ton nom est exalté, Seigneur. Papa, merci. Merci, car Père éternel, nous allons être bénis encore ce soir. La parole déclare, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel, car c'est le temps, Père éternel, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Seigneur, merci, car chacun dans nos maisons, nous pouvons fermer nos yeux là où nous sommes et être connectés en esprit avec toi, ô Père Saint. Nous pouvons parler comme des fous de ce monde, parler, Seigneur, comme si les gens parlaient en l'air, mais nos esprits sont transportés devant ton trône de grâce. Mais le ciel est déchiré, Père éternel, au-dessus de nous. Et Père éternel, t'es racheté, t'adore. T'es racheté, t'es loup. T'es racheté, t'es célèbre. T'es racheté, sans heureux, Père Saint, d'être, Père éternel, dans ta présence. Seigneur, merci. Merci car tu es l'alpha et l'oméga. Papa, je viens encore, Père éternel, consacrer ces temps, Père éternel, en ton nom. Père éternel, je viens, Père éternel, t'offrir encore ce soir ces parfums de bonne odeur ensemble avec nos bien-aimés, Seigneur. Alléluia. Que seul toi sois glorifié ce soir. Seul toi sois élevé ce soir. Du début jusqu'à la fin, Père éternel, de ces prières, je te prie d'être là, de nous inspirer, de nous guider, Seigneur, de nous donner la parole, Père éternel, à parler. Père éternel, d'accueillir, Seigneur, nos adorations et nos prières. Agrée nos prières encore ce soir, Saint d'Israël. Ce n'est pas en honneur d'une personne. Ce n'est pas en l'honneur d'une personne. Mais Seigneur, c'est à ton honneur que nous sommes là ce soir. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Louange à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu merci pour sa fidélité. Dis à ton Dieu merci pour sa fidélité dans ta vie. Voici, le Seigneur t'a protégé et t'a gardé. Durant toute cette journée, nous étions dehors. Le Seigneur a veillé sur nos vies, sur nos enfants, sur nos maris et sur nos femmes. Ceux qui étaient malades sont guéris. Et il y a de ceux qui n'ont jamais été malades pendant tout ce temps. Le Seigneur a manifesté encore sa fidélité. Si aujourd'hui nous sommes dans la foi, c'est la grâce, la bonté et la fidélité de Dieu qui nous garde. Disons à Dieu merci pour sa protection. Tu lui diras non seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants, pour ton mari, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille, hein, biologique. Hein. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci car tu es celui qui garde, Seigneur, la maison de ton serviteur. Tu es celui qui veille sur ton serviteur, tendre Père. Tu es celui qui garde ton serviteur. Béni soit ton saint nom, Père Saint. Papa, ce matin, je t'ai recommandé cette journée et tout ce que je devais entreprendre. Et durant la journée, Seigneur, je ne fais que vivre ta main puissante, Seigneur. Je ne fais que vivre ton accompagnement dans tout ce que j'ai entrepris. Seigneur, merci pour la réussite. Merci pour le succès, Seigneur, dans tout ce que je puis entreprendre dans ces jours. Alléluia. Louange à ton nom, Saint d'Israël. Oui, Père, jour après jour, voyant ta main, Père éternel, s'opérer dans nos vies,
Nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que, Père éternel, espérer davantage, Seigneur, en ton nom. Oui, Père, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Merci car tu nous protèges et tu nous gardes. Merci car tu veilles sur nos âmes. Et merci, Seigneur, car tu nous permets, Seigneur, de contempler, Seigneur, ta bonté en voyant, Seigneur, nos familles, en voyant, Père éternel, nos frères, nos sœurs. Père Saint, je suis heureux ce soir d'être ensemble avec le bien-aimé. Alléluia. Béni soit ton nom. Louange à ton nom. Le Dieu de Mamonique, le Dieu d'Alex, le Dieu de Khadija, le Dieu de Charnas, le Dieu de Doha. Je te loue, Seigneur, le Dieu de Sylvie, le Dieu Père et Mère de Joël, le Dieu de John, le Dieu de Kevin. Laisse-moi te célébrer encore ce soir. Béni soit ton nom. Toi qui veilles sur ma maison et sur ma famille, je mérite te louer ce soir. Ce n'est ni par la force d'un homme, mais c'est par ton amour, c'est par ta bonté, Seigneur. Louange à ton nom. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans ce même élan, j'aimerais encore t'encourager de prier pour nos frères et sœurs, de dire à Dieu merci pour le corps du Christ, dire à Dieu merci pour Papa Zoulou, pour sa famille, dire à Dieu merci pour ton frère et pour ta sœur, dire à Dieu merci parce qu'il veille sur nos vies. Rendre grâce à Dieu, c'est dire à Dieu merci pour tout ce qu'il promet dans nos vies et aussi pour ce qu'il fait dans la vie de ton frère et dans la vie de ta sœur. Y a-t-il quelqu'un que tu as prié pour lui et que Dieu a guéri, Dieu a exaucé? Rends gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel pour sa réponse. Prions pour nos frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, j'aimerais encore te dire merci pour le corps du Christ. Te dire merci pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Papa, c'est une joie pour nous, Père Saint, d'être encore ensemble ce soir. Quand nous nous voyons, Père Éternel, nous ne pouvons que publier tes merveilles et te rendre des actions de grâce. J'aimerais te dire encore merci ce soir pour féliciter. Merci ce soir pour Maman Nadia et toute la maison, Père Saint. Merci pour ton serviteur, Pasteur Zoulou, Grand Roi. Seigneur, merci, Père Éternel, pour Évangéliste Emmanuel Saint d'Israël. Merci pour Vincent. Merci pour Noessa. Merci pour Washington, au Grand Roi. Merci pour Lily, Seigneur. Papa, merci pour Josiane. Merci pour Zekou. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, tendre Père. Papa, toi qui veilles sur Mireille, je te bénis, je te loue. Je t'adore, Saint d'Israël. Tu es le Dieu de Maman Germain. Laisse-moi te célébrer ce soir. Laisse-moi te glorifier ce soir. Papa, parce que c'est toi qui veilles. Ta main puissante veille, Saint d'Israël. Tu es le Dieu qui garde Diane, Père Saint. Tu es le Dieu qui garde Révli. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te louer ce soir parce que tu veilles sur l'Église. Tu veilles sur les rachetés, tendre Père. Tu es le Dieu de Julia. Laisse-moi te célébrer. Le Dieu de Fanny. Laisse-moi te louer et t'adorer. Alléluia. Le Dieu de Washington. Le Dieu de Nancy. Laisse-moi glorifier ton Saint-Nom. Laisse-moi célébrer ton Saint-Nom. Laisse-moi glorifier ton Saint-Nom. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, bénis l'Éternel pour l'Église. Bénis l'Éternel pour ton frère et pour ta sœur. Bénis l'Éternel parce qu'il a guéri ton frère et il a guéri ta sœur. Il a visité encore ta maison, non seulement ta maison, mais aussi tes frères et sœurs dans le Seigneur. Il mérite la gloire, il mérite la reconnaissance, notre Seigneur et notre Dieu. Papa, merci pour l'exaucement dans nos prières. Oui, merci pour l'exaucement dans nos prières. Merci Seigneur, car tu permets que ce soit Noessa soit avec nous dans la prière au Grand Roi. Seigneur, que te dire encore, c'est toi qui exauces à nos prières. Nous te prions, nous t'invoquons. Seigneur, tu nous épargnes des dangers. J'aimerais encore te dire merci pour les anges qui sont tout autour de nous. Seigneur, merci pour les services des anges, car la parole déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Seigneur, tu déploies ton armée céleste pour veiller pour mon frère, pour veiller sur ma sœur Saint d'Israël, le Dieu qui garde Carole, le Dieu qui garde Karine, le Dieu qui garde sa maison. Tu es le Dieu, Père éternel, qui garde, Père éternel, nos frères et nos sœurs. Nous voulons te célébrer ce soir. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la persévérance dans la prière. Je mérite Dieu merci pour la persévérance dans la prière. Car les capacités que tu nous donnes, cela ne vient pas de nous, mais elle vient de toi, Saint d'Israël. Papa, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la pensée de l'homme, mais c'est parce que tu le veux ainsi. Nous voulons te célébrer pour ta vie, la vie de prière que tu nous as accordée. Seigneur, la parole déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu nous fais grâce encore ce soir. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'élèvons à jamais.
Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Louange au nom de Jésus. Sainteté à son nom. Oui, bien-aimé, c'est vraiment avec assurance, nous pouvons lever nos voix pour dire à Dieu merci, parce qu'il nous protège et il nous garde. On a appris à dire merci si quelqu'un nous dit seulement bonjour, comment tu vas? À plus forte raison, c'est lui qui nous accorde le souffle de vie et la liberté des mouvements. C'est lui qui garantit tous nos pas. Nous ne pouvons que lui dire merci. Tout à l'heure, j'étais sur la route et quand je voyais quelqu'un que je connaissais, je le saluais, je le disais bravo, tu es vainqueur, tu as vaincu le corona. Tout simplement parce que le Seigneur nous a gardés, nous a protégés, nous a donné la bonne santé. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont tombés, mais c'est la grâce de Dieu, la protection du Seigneur, la bonté de Dieu dans notre vie. Alors que pouvons-nous encore lui offrir ce soir, si ce n'est que ce moment de gloire, ce moment où il peut tirer de nos bouches les parfums de bonne odeur, il peut tirer de ses prières les parfums de bonne odeur. Laisse que ta prière ce soir puisse parfumer le trône de l'Éternel dans le nom de Jésus. Et j'aimerais aussi que nous puissions nous humilier devant la face de Dieu, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est saint. Et nous sommes ce peuple qui doivent se sanctifier seconde après seconde, minute après minute. Hein? La Bible déclare, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et je suis l'Éternel votre Dieu qui vous sanctifie. J'aimerais que nous retournions à nous-mêmes et demandions à Dieu pardon pour nos pensées, nos paroles, nos actes. Moïse était devant la face de Dieu, il a vu le buisson ardent. Il a entendu la voix de Dieu. Mais lorsqu'il voulait bouger et tourner, Dieu lui a dit, ôte tes sandales là où tu es, car le lieu que tu es est un lieu saint. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à chaque fois nous sommes dans la présence de Dieu, le lieu que nous sommes est défini un lieu saint. Alléluia. Et notre vie, parce que le demeure de Dieu est là, notre vie doit être une vie de sainteté, parce que Christ, notre Dieu, habite en nous. Demande à Dieu de te sanctifier encore ce soir, de pardonner nos pensées, nos paroles et nos actes. S'il y a quelque chose que tu sais qui tourmente ton cœur ce soir, dis à Dieu de te pardonner, de te purifier de tout mal et que son sang puisse nous rendre plus blanc que la neige encore ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous venons encore devant ton trône de grâce. Nous ne sommes pas dignes d'élever nos voix vers toi. Je ne suis pas digne, Père Saint, d'élever ma voix vers toi, ni d'inviter, Seigneur, ton peuple dans ta présence. Voilà pourquoi je viens m'incliner devant ton trône de grâce. Demandez ta miséricorde dans ma vie, ô grand roi. Seigneur, la parole déclare, la prière d'un pécheur est une abomination devant toi, mais la prière des hommes justes était agréable. Pourquoi je te prie, Seigneur, de me pardonner. Pardonne mes pensées, pardonne mes actes, pardonne, Seigneur, mes décisions. Pardonne aussi, Seigneur, Papa, les pensées de mon cœur qui n'a pas glorifié ton nom, mon attitude, Père éternel, et mon comportement. Père Saint, une parole ou une geste, Seigneur, qui a blessé les autres. Seigneur, je te prie de me pardonner. À chaque fois, Seigneur, que j'ai entendu ta voix et je ne l'ai pas exécuté, Seigneur, pardonne-moi. Même, Père éternel, par ignorance, tout ce que j'ai dû faire, Père éternel, consciemment ou inconsciemment, qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom, Seigneur, pardonne-nous. Oui, viens me pardonner encore ce soir. Pardonne ton serviteur, pardonne ta servante, Seigneur. Papa, je demande ta miséricorde, Seigneur, dans ma vie. Oui, aussi ta miséricorde dans ma maison, Seigneur. Ta miséricorde dans la vie de mes enfants. Oui, bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu pour la vie de tes enfants, pour ton foyer, pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents et pour toute personne qui vit avec toi. Seigneur, laisse que ta miséricorde soit sur ma vie, sur ma maison, Seigneur. Mes enfants ont besoin de ta miséricorde. Ma femme, Père éternel, Seigneur, a besoin de ta miséricorde. Ma famille a besoin de ta miséricorde, Seigneur. Papa, ma belle famille a besoin de ta miséricorde, Shiloh. Ne nous laisse pas, Père. Ne nous abandonne pas, grand roi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ne nous tourne pas le dos, Père éternel. Nous venons auprès de toi encore ce soir. Papa, tu dis, mes mains ne sont pas courtes pour vous donner, ni mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir. Mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous attendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui mettent une mire de séparation entre vous et moi. Alléluia. Seigneur, nous venons ce soir, nous venons demander ton pardon, Seigneur. Nous demandons ton pardon, Père éternel, afin qu'à travers ton pardon, cette mire de séparation soit brisée, que ces mires de séparation soient renversées.
par la puissance de ton pardon, Père, in the name of Jesus. Seigneur, ta miséricorde dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Papa, tu connais la faiblesse de chacun. Tu connais la limite de chacun, Seigneur. Tu connais le combat de tout un chacun de nous encore ce soir. Nous venons, Père éternel, nous humilier devant toi. Nous ne sommes pas dignes, ô Père éternel. Nous ne méritons pas, Père éternel, ce temps. Voilà pourquoi nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous nous inclinons devant ta majesté, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Père éternel. Papa, tu dis, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leur péché est rouge comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs, plus blanc, plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, par la puissance de ton sang, rends-nous plus blanc que la neige. Viens laver nos vêtements ce soir par la puissance de ton sang. Lave nos vêtements ce soir par la puissance de ton sang. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Seigneur, viens sanctifier nos consciences ce soir. Viens sanctifier nos pensées ce soir. Viens sanctifier nos cœurs ce soir dans le nom de Jésus. Tendre Père, je te prie de sanctifier mon frère et ma sœur, de sanctifier nos consciences, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos maisons, Seigneur. Sanctifie ces lieux, sanctifie ces moments, sanctifie ces services au nom de Jésus. Papa, rends-nous agréables devant toi, Seigneur. Accueille-nous dans ta présence, grand roi. Accueille ton peuple dans ta présence, Seigneur. Papa, ce n'est pas auprès d'un homme qu'on s'est approché ce soir, mais c'est auprès de toi, le Seigneur des armées, le Seigneur de tous les âges, le Seigneur de toutes les générations. Nous voulons nous approcher avec assurance ce soir. Sanctifie-nous, Père Saint. Accueille-nous dans ta présence, Seigneur. Fais-nous cette grâce encore ce soir de vivre une expérience nouveau avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est avec foi et avec assurance que je crois l'Éternel nous a pardonné de tous nos péchés parce que son sang a coulé sur la croix pour les pardons de nos péchés. Et sur la croix, il a dit à la femme, il a dit, « Femme, ne pleure pas pour moi. Fille de Jérusalem, ne pleure pas pour moi, mais pleure pour ta vie et pleure pour tes enfants. Est-ce qu'ils croiront à mon nom? » Alléluia. Puisque nous croyons au nom de Jésus, nous croyons que Christ a fait couler son sang sur la croix. Il était mort pour les pardons de nos péchés. Et en croyant à cela, nous bénéficions de cette grâce, de cette mesure gracieuse. Laisse que mon Dieu puisse accueillir ta prière encore ce soir et que son sang puisse te sanctifier corps, esprit et âme dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole nous a dit ce matin et que notre capacité vient de Dieu. Et les armes que nous utilisons, ce sont des armes spirituelles. Alors tu vas dire à Dieu ce soir de tes capacités encore, de te donner encore ces capacités spirituelles dans la prière, dans la persévérance, dans la foi, dans l'autorité, devant toute manigance de l'ennemi. Cette semaine, nous savons tous que dans les camps du monde des ténèbres, le diable est en train de capaciter les démons pour nous faire la guerre, pour venir chercher à nous convaincre ou chercher que des autres puissent perdre leur foi. Alors nous aussi, de notre côté, chacun de nous individuellement et ensemble dans l'unisson, nous allons dire à Dieu de nous capaciter. Dis à Dieu de tes capacités spirituellement, qu'il puisse encore augmenter ta foi, augmenter ta persévérance dans le Seigneur, que le Seigneur te capacite spirituellement dans l'autorité et dans la puissance, afin que tu aies des armes pour combattre, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit, tu as besoin de vaincre. Et cette victoire va venir par la puissance de Dieu qu'il met en toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dis au Seigneur de tes capacités encore ce soir. Tendre Père, nous venons encore te demander ce soir les capacités surnaturelles. Papa, la parole, comme tu nous as dit encore ce matin, est que les capacités que nous avons, cela vient de Dieu. Alléluia. Seigneur, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas, Père éternel, dans la chair. Mais Père éternel, les armes par lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Alléluia. Père éternel, ces armes sont efficaces pour rendre tout esprit
captif à l'obéissance de ta parole. Voilà pourquoi je viens te prier encore ce soir. Papa, capacite ton serviteur. Capacite-moi, Seigneur. Donne-moi encore ces capacités spirituelles. J'en ai besoin, Père éternel. Puisque ces combats sont spirituels, j'ai besoin aussi, Seigneur, d'avoir des capacités spirituelles, l'autorité spirituelle, la puissance spirituelle, la force spirituelle pour pouvoir résister à tous les combats, à toutes les manigances de l'ennemi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, capacite-moi. Je ne suis pas encore rassasié. Seigneur, de mes propres forces, je suis faible. Par la chair, je suis faible. Mais si toi, tu me capacites, Seigneur, de ta force, si tu me capacites, Père éternel, des armes spirituelles, en ce moment, je serai fort. En ce moment, j'aurai l'autorité devant les démons, devant les esprits méchants, devant les principautés, devant, Père éternel, les esprits méchants dans les lieux célestes, devant tous les esprits méchants, Père éternel, qu'ils circulent dans les airs. Père éternel, devant, Père éternel, Papa, les démons qui circulent pendant la nuit ou pendant le jour. Père éternel, si tu me capacites, si tu me donnes la force Saint d'Israël, je pourrai résister, Seigneur, alléluia. Je pourrai avoir la force de le faire reculer, avoir la force de les chasser au grand roi. Voilà pourquoi nous prions ce soir. L'Église vient prier ce soir. Capacite-nous, Seigneur. Capacite-moi, Père Saint, devant tout ce que je suis en train de faire face dans ma maison, devant tout ce que je suis en train de faire face, Seigneur, dans cette ville de Saint-Étienne, devant tout ce que je suis en train de faire face, Seigneur, devant les esprits méchants, devant les principautés, devant les autorités, Saint d'Israël, devant les esprits méchants dans les airs, ou les esprits qui sortent des eaux ou de l'abîme. Père éternel, capacite-nous. Tu nous as montré dans ta parole que le diable, il va chercher à capaciter, Seigneur, la bête pour lui donner la force, non seulement de blasphémer, Père éternel, ton nom, mais aussi ton sanctuaire, Père éternel, et les cieux, et venir nous faire la guerre, venir nous combattre, Père éternel. Seigneur, je te prie maintenant, Père éternel, de mes capacités, de me donner la force et l'autorité nécessaire pour résister à toute ruse du diable. Et en ce moment, Seigneur, je viens te prier encore en ce moment, viens capaciter mon frère, Seigneur, viens capaciter l'Église au grand roi, viens capaciter nous, Seigneur. Donne-nous l'autorité, donne-nous la force. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, viens nous donner ces capacités spirituelles. Bien-aimé, la prière que tu es en train de faire est très importante. La prière que nous faisons actuellement est très efficace. Tu as besoin d'avoir les capacités surnaturelles. Tu as besoin d'avoir la force, parce que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais ce sont des combats spirituels. Lorsque nous parlons, les paroles qui sortent de nous sont esprits. Comment nous pourrons chasser des démons? Parce que les démons sont des esprits. Comment nous pourrons résister au diable? Parce que le diable est un esprit. Comment nous pouvons démasquer leur ruse? C'est seulement si nous sommes capacités de tous les dons spirituels. C'est seulement si tu es capacité de toute la puissance spirituelle, de toute l'autorité spirituelle. Alors, puisque la Bible me dit que les capacités que nous avons viennent de Dieu, et que les armes que nous combattons, ce sont des armes spirituelles. Laisse que le Seigneur ce soir renouvelle nos capacités au nom de Jésus. Que le Seigneur ce soir renouvelle les capacités de son serviteur au nom de Jésus. Que le Seigneur ce soir renouvelle les capacités de ta servante ce soir. Reçois les capacités qui viennent d'en haut dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus soit une clé qui te capacite ce soir. Que le Seigneur, mon Dieu, te donne des armes spirituelles, ces armes puissantes pour renverser les forces terrestres. Que le Seigneur ce soir te donne encore ces armes puissantes, ces armes spirituelle pour résister à l'ennemi, pour résister à tous les esprits méchants, pour résister à tous les sorciers, pour résister à tous les démons, pour résister à tout ce que l'ennemi peut manigancer, pour résister à tout cet esprit de l'air, que cette génération ne vienne pas te vaincre, que toute intelligence de cette génération ne vienne pas te vaincre, même si les gens vont manigancer leurs problèmes pendant la nuit, que le Seigneur Dieu de gloire te révèle ce qu'on ne peut pas révéler à l'homme. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous capacite ce soir. Que le Seigneur nous inonde ce soir de son autorité et de la capacité qui vient d'en haut. Alléluia. Bien-aimé, être capacité du ciel, cela vaut plus que de l'or, vaut plus que de l'argent.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux demander à Dieu ce soir, si ce n'est que de tes capacités, de te donner l'autorité, de te donner la force, de te donner la puissance, afin que tu puisses vaincre sur tout ce que tu es en train de faire. Celui qui reçoit les capacités d'en haut, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. 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 Les disciples étaient bénis. La Bible déclare, dans leur adoration, les anges sont descendus. Les chaînes étaient brisées. Les forces terrestres étaient renversées. Les portes des prisons se sont ouvertes, bien-aimés. Tout simplement parce qu'ils étaient en capacité. Le Seigneur les a capacités, des talents, des dons et la puissance de son esprit. La Bible déclare, Pierre et Jean, dans la prison, ils priaient et ils adoraient. La prison a commencé à trembler. Les fondements de la prison a tremblé. Les portes se sont ouvertes. Alléluia. C'est ceux-là qui sont capacités. Et c'est de ceux-là que nous voulons être encore ce soir. Les portes vont s'ouvrir en elles-mêmes. Les circonstances vont changer en elles-mêmes. Si seulement le Seigneur te capacite. Est-ce qu'il y a une Esther ce soir? Esther est entrée dans la prière. Esther a cherché la face de Dieu. Et à cause de la prière, Esther était reçue devant le roi. Alléluia. Et le roi s'est soumis aux besoins d'Esther parce que Esther a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a rempli de cette influence et de cette capacité. Plusieurs personnes ont été sauvées parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont cherché la face de l'Éternel. Laisse que le Seigneur te capacite ce soir. J'aimerais t'assurer encore ce soir que ta prière ne va pas en vain. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de déclencher une grâce particulière, une délivrance particulière, une salut particulière. Et ce n'est pas seulement toi qui vas bénéficier de ce temps, mais les enfants, des enfants de l'apôtre Néhémie bénéficieront aussi de cela. Pourquoi? Parce que nous cherchons la face de l'Éternel. Actuellement, tu es en train de semer la vie dans ton foyer, dans ta famille. Dieu dit qu'il punit jusqu'à la quatrième génération ceux qui les désobéit, mais il bénit jusqu'à la millième génération ceux qui gardent sa parole. Alléluia. Laisse que le Seigneur exauce à tes prières ce soir. Laisse que le Seigneur écoute les cris de ton cœur ce soir. Dans le nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui se questionne dans son cœur? Je demande que le Seigneur, mon Dieu, répond à tes prières ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre ce sujet de prière. 2 minutes et à 21h10, nous allons laisser la parole à l'évangéliste pour nous partager la parole. Chacun de nous va recommander sa vie entre les mains de Dieu. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées dans le Seigneur. Tu vas donc prier, recommander ta vie. Ce qui te dérange, ton combat, recommande-la entre les mains de Dieu, afin que, à travers cela, que tu aies la paix dans ton cœur encore ce soir. Prie en nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. J'aimerais te recommander ma maison, te recommander mes enfants, te recommander Père éternel, Seigneur, lors de mes eaux. Seigneur, sois au contrôle, sois le Dieu qui guérit, sois le Dieu qui restaure. Sois le Dieu qui donne la paix, Seigneur, sois le Dieu qui donne une joie totale. Seigneur, oui, la délivrance vient de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel, Seigneur, dans la maison de ton serviteur. Glorifie ton Saint-Nom, Père éternel. Papa, tu n'es pas glorifié dans les douleurs. Tu n'es pas glorifié, Père éternel, dans la tristesse. Tu n'es pas glorifié, Père éternel, Seigneur, Papa, devant des esprits méchants, Seigneur, qui persistent, Seigneur. Mais tu es glorifié quand les esprits méchants sortent. Tu es glorifié quand, Père éternel, nos vies sont restaurées, guéries, rétablies. Tu es glorifié, Père éternel, par les paroles de notre témoignage. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le salut, Seigneur, de ma maison. Je te prie, Père éternel, de te glorifier encore ce soir. Au nom de Jésus, Papa, les vœux de mon cœur et que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Papa, laisse que ton salut entre, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tout un chacun de nous. Papa, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour savoir comment, Père éternel, conduire ton peuple selon ta volonté. Seigneur, aide-moi à garder la foi jour après jour, Père éternel, que je ne tombe pas, mais que je continue dans la vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, bénis ce temps, bénis ce moment. Nous voulons écouter ta voix.
La parole déclare dans leur détresse et dans leurs angoisses, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous voulons t'écouter encore ce soir. Père Éternel, parle à travers ton serviteur. La parole déclare quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture à son peuple au temps convenable. Seigneur, donne-nous la nourriture au temps convenable. In the name of Jesus. Prends la bouche, Père éternel, d'Évangéliste Emmanuel et parle à travers lui. Bénis ton peuple, Seigneur, et dispose aussi nos cœurs afin que nous recevons ta parole et que nous les mettrons en pratique. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ce que je demande, quand nous allons écouter la voix de ton serviteur, laisse que le Saint-Esprit descende et saisisse tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, je rends tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je nous prie vraiment de garder silence, afin que tous ensemble, et ceux qui sont sur Messenger et sur Facebook, nous puissions écouter l'homme de Dieu qui va nous encourager à travers la parole du Seigneur. Évangéliste, à toi la parole. Shalom, mon peuple de Dieu. Shalom. 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 On va continuer toujours dans les livres. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 21. Comme le pasteur vient de dire, aujourd'hui, on va commencer dans le verset 33 jusqu'à verset 46. On va terminer le chapitre 21 aujourd'hui. Amen. Je vais commencer la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haine qui pleuvait le soir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part des récoltes. Mais les vignerons s'emparaient de ses serviteurs et les battirent l'un, tuer l'autre et lapidaient le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premières. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. 39, est-il s'emparé de lui, les jeter hors de la vigne et les tuer. Les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et lui répondirent, il fera mourir et misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part des récoltes au moment voulu. Et il leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient et devenir la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Amen, amen. Amen. Et c'est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter.
Parce que avant de commencer le partage, donc les thèmes, les petits thèmes que moi j'ai proposés pour ces paraboles, que chacun de nous peut se demander de quoi Dieu entend de moi. Ou Amen. qu'est-ce que Dieu entend de moi. Amen. Parce que ça va être une question que chacun de nous va se questionner à l'intérieur de toi. De quoi ou qu'est-ce que Dieu entend de moi. Donc c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut que chacun de nous puisse savoir que Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous quelque chose. Amen. Il faut se poser des questions. C'est quoi vraiment que Dieu attend de moi? Quoi Dieu attend de moi? Dieu m'a envoyé dans ce monde. De quoi Dieu attend de moi? Donc ici, on nous parle, avant que Jésus-Christ être crucifié, Jésus-Christ a parlé aux chefs religieux. Et il parlait aux pharisiens. Jésus-Christ a parlé à propos de cette parabole. Il a dit qu'il y avait un homme, il y avait un chef, un propriétaire de vigne qui avait sa vigne. Il voulait partir au voyage, mais il a pris des vigneraux pour travailler dans sa vigne. Et il a mis des vigneraux, il a partir. Et ici, dans les paraboles nous dit. Et dans les moments de récolte, il a envoyé les serviteurs pour que les vigneron donnent aussi sa part, les raisins. Mais ici, on nous dit, lorsque les serviteurs étaient partis, et les serviteurs étaient maltraités, et les serviteurs étaient tués, et les serviteurs étaient frappés et étaient lapidés. Et ici, on nous dit qu'il a envoyé encore un nombre de personnes qui étaient plus que les trois qu'il avait envoyés premièrement. Et on nous dit encore dans les paraboles que les vignerons ont fait la même chose. Et il a vu que comme ils ont fait la même chose, je vais envoyer mon fils, peut-être à mon fils, ils vont avoir peur. Ils vont y perdre comme il est mon fils. Il a envoyé son fils. Et on nous dit aussi le fils était maltraité. Et le fils était tué. On a dit que tuons-le, regarde le fils qui est en train de venir. Tuons-le. Parce que c'est lui, si on laisse le fils, c'est lui qui va hériter le royaume de son père. Et c'est lui qui va hériter sa vigne. La vigne de son père. Tuons-le. Ils ont fait aussi la même chose pour le fils. Bien-aimé, si on parle, si on voit la vigne qu'on nous parle aujourd'hui, on voit un royaume qui a des peuples. Amen. Un royaume qui a des peuples. Vigne, on peut dire aujourd'hui, on peut définir comme église. C'est aussi vigne. Que l'endroit où là où il y a des gens, ça peut être aussi vigne. Et on nous dit des vignerons qu'on nous parle ce soir, ce sont des chefs religieux. Des chefs religieux comme on vient d'écouter dans la parole. Mais pour nous, les vignerons qu'on nous parle aujourd'hui ou ce soir, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des apôtres, ce sont chacun de nous qui nous sommes plantés devant nos frères. Dans l'église, nous sommes plantés, nous sommes devant nos frères, nous vivons devant nos frères. Donc, ce sont nous qui sommes des vignerons. Le serviteur de Dieu, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit nous, étant que peuple de Dieu, nous sommes des vigneraux. Et Dieu nous a plantés dans le royaume devant son peuple. Et Dieu nous a plantés dans l'église devant son peuple. Et le propriétaire, on nous parle ce soir, c'est lui-même notre Dieu. C'est lui-même notre Dieu qui est le propriétaire, selon la parole, la parabole. Et les serviteurs, on nous parle ce soir, c'est des prophètes. Des apôtres, parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de prophètes qui étaient morts, lapidés, tués à cause de l'évangile. Et à cause d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, étaient tués, maltraités, voire même à Jean-Baptiste, voire même à apôtre Paul. Il y en a beaucoup de prophètes aussi qui étaient maltraités, Pierre était emprisonné. Donc les serviteurs, on nous parle, ce sont des prophètes, ce sont des apôtres. Et on nous parle aujourd'hui. Et des fruits qu'il faut être produire, qu'il nous parle ici des raisins, des fruits, ça peut être aussi des fruits comme on parlait souvent selon Galates 5, 22. Il y a des fruits de l'esprit. On nous parle de l'amour.
On nous parle de la joie, la maîtrise de soi, patience. Ce sont des choses, ce sont des choses que les funéraux qui étaient établis dans la ville voulaient apporter au peuple. Amen. C'est ça que Dieu nous parle aujourd'hui. C'est nous les funéraux, dont les fruits qu'on nous parle, parce que dans la Bible, on nous a parlé des raisins. Mais ici, on nous parle des fruits, d'autres fruits, parce que c'est Galates 5, 22 nous parle de la patience, l'amour. Ce sont des fruits, la foi. Ce sont des fruits que les vignerons voulaient apporter au peuple. C'est ça qu'on nous dit. D'autres fruits, on nous dit, c'est l'annoncer la bonne nouvelle. Ce sont des fruits que les vignerons devaient apporter au peuple. De ramener le peuple dans la présence de Dieu ou dans la repentance. Amen. C'est ça, de donner, de ramener le peuple à donner leur vie au Seigneur, de croire au Seigneur, Amen. De marcher selon sa volonté. Amen. C'est ça qu'on voulait parler à propos des fruits. Mais on nous dit que le premier groupe était maltraité, tué, lapidé. On nous dit encore, le deuxième groupe, c'était la même chose qu'ils ont fait, les vignerons. Et troisième fois, ils ont envoyé son fils. Et le fils aussi était maltraité et était tué. C'est ça que la parole de Dieu nous dit ce soir, bien-aimé. C'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimé. Si on regarde dans le verset 38, ici, on nous dit, dans le verset 38, on nous dit, mais quand les finiront, virent les fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-les, et les apparons-nous de son héritage. Et il s'emparait de lui et jetait les hors de la vigneron. Mais ici, on nous dit que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il était venu. Jésus-Christ est venu, mais il y avait beaucoup de gens qui n'en veulent pas crier à Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu, il était maltraité. Jésus-Christ est venu, il a subi des choses que lui, comme Dieu, ne voulait même pas subir. Donc, les gens-là, les vigneron, ils avaient vu quelque chose et n'a finir à Jésus-Christ. C'est lui qui va hériter la vie de son père. Donc, ils avaient vu quelque chose à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ce que je peux parler ici, bien aimé, il y a des gens dans ce monde, à part donc les paraboles que Jésus-Christ a été venu, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas cru en Jésus, même jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ était maltraité. Donc, je voulais donner aussi un exemple ici. Bien aimé, les gens de ce monde, lorsqu'on voit quelque chose de futile ou quelque chose qui est bon dans la vie de quelqu'un, ils cherchent toujours à faire mourir ou à tuer la personne. Amen. Donc, c'est ça que le travail des diables, lorsqu'ils voient un avenir dans la vie de quelqu'un, ils cherchent à le faire du mal. Ici, ils ont vu aussi, c'est Jésus-Christ, ils avaient vu un avenir à Jésus-Christ. Mais ils ont fait tout pour tuer Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver. Ils n'ont pas crié à Jésus-Christ. Les vignerons, on nous parle, c'est nous. Dieu nous a établis dans l'église. Il nous a établis devant son peuple. Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que chacun de nous apporte la parole de Dieu comme Dieu attend de nous? Est-ce que chacun de nous se soucie aussi les autres pour se produire des fruits comme Dieu attend de nous? Est-ce que chacun de nous aussi se fournit des efforts de ramener le peuple de Dieu dans la présence, de se convertir? Parce que les vignerons voulaient seulement s'emparer de leurs produits et de leurs produits, de leurs fruits, sans partager aux autres. C'est pour cela qu'ils ont tué la majorité des personnes que les propriétaires avaient envoyées. Il y a plusieurs entre nous aussi, nous s'emparons toujours de ce que nous avons. Bien, mais si tu as des dons, il faut partager avec les autres. Si Dieu t'a donné les dons de prêcher, il faut partager avec les autres, bien aimé. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans les versets 40, dans les versets 42, ici on nous dit, dans les versets 42, on nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on a rejetée, ce qui construisait est devenir la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Mais c'est quelque chose qui est très important. Jésus-Christ a été rejeté. Il est venu, quel que soit des miracles qu'il avait fait, quel que soit des prodiges, tout ce qu'il avait fait.
Mais Jésus-Christ était rejeté. Mais ici, on nous parle que Jésus-Christ était rejeté. On nous parle que Jésus n'avait vous jamais lu dans ses écritures les pierres qu'on a rejetées. Ce qui construit, reconstruisait et devenir la pierre angulaire. Donc la pierre était rejetée. Et la pierre là est devenir pierre très importante pour les autres qui construisaient. Amen. Qui construit, c'était devenu une pierre très importante. Bien aimé, même la Bible nous dit dans les livres, si on regarde dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 10 à 12, ici la Bible me dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Amen. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, il est venu pour les siens. Les siens qu'on nous parle, ce sont des Juifs. Jésus est venu pour les siens, mais les siens ont rejeté la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ a donné grâce à celui qui croit en moi, à moi et toi que nous croyons à lui. Il nous a donné grâce à être enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ qui est venu, qui est la pierre angulaire, était rejeté. Mais les gens qui avaient vu l'importance de la pierre angulaire, ils ont construit leur maison sur Jésus-Christ. Bien aimé, combien de fois nous avons rejeté Jésus dans nos vies? Nous les vignerons, combien de fois nous avons rejeté Jésus-Christ dans nos vies? Bien aimé, nous sommes comme des hommes charnels. Parce que homme physique ou homme naturel, ce sont des hommes qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des hommes qui marchent selon leur volonté. Mais nous sommes des hommes charnels, un pas dedans, un pas dehors. Nous sommes à l'église aujourd'hui, mais demain, nous sommes là dans l'épidicité. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, mais demain, nous sommes là à donner des fausses témoignages. Donc nous sommes cela, un pied dedans, un pied dehors. Nous avons combien de fois que nous avons rejeté Jésus-Christ? C'est lui qui est la pierre angulaire. Mais les gens qui ont vu l'importance de Jésus-Christ, ici on nous dit qu'ils ont construit leur maison. Ils ont fait des fondements de leur maison sur la pierre qui était rejetée par les Juifs. La pierre qui était rejetée, qu'ils ont vu que c'était pierre qui n'avait pas d'importance. Bien, je peux donner comme exemple. Je peux donner comme exemple, bien-aimé, que quelqu'un, ou tu vis avec quelqu'un, comme il n'a pas de l'argent, tu vois que comme s'il n'a pas d'importance. Mais la personne a d'importance à d'autres personnes. Oui, c'est ça que je voulais dire, bien-aimé. Jésus-Christ est venu, mais nous avons rejeté Jésus-Christ. Et plusieurs fois que nous rejetons Jésus-Christ, il est venu pour nous. Mais les siens m'ont abandonné. Mais à celui qui croit, Jésus-Christ nous a donné grâce d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Mais dans le verset 43, ici, on nous dit, dans le verset 43, on nous dit, ici, dans le verset 43, on nous dit, dans le verset 43, on nous dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui y produira des fruits. Amen. Le royaume de ces sera vous enlevé. Le royaume de ces sera vous enlevé et donné à ces peuples qui produira des fruits. Est-ce que nous aussi nous produirons des fruits? Parce que si nous ne produirons pas des fruits, le royaume de ces sera enlevé au peuple qui produira des fruits. Est-ce que nous produirons des fruits? Chacun de nous va se demander. C'est ça que Dieu attend de nous, de produire des fruits. C'est ça que Dieu attend de nous. Si Dieu nous a placés dans la vigne pour produire des fruits, pour travailler, nous étant que vignerons, si Dieu nous a établis, il nous a placés pour travailler. Mais après de travailler, chacun de nous va rendre compte au maître, au propriétaire, qui est notre Dieu. Chacun de nous va rendre compte de quels fruits tu as produit. Et chacun de nous peut se demander quels fruits que moi j'ai produit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Quel fruit que moi j'ai produit, chacun de nous peut se demander. Est-ce que fruit de mensonge? Quel fruit, chacun de nous peut se demander, quel fruit dans l'intérieur de toi peut se demander, quel fruit que moi j'ai produit. Et ici, on nous dit,
C'est le royaume des cieux de Dieu sera enlevé et donné à ceux qui produiront des fruits. Ici, on avait écouté la parole dans le même livre de Matthieu 21, 18 à 19. Là-bas, on nous a parlé de l'histoire des figuiers. Jésus-Christ avait stérilisé le figuier qui n'avait pas pour apporter des fruits. Bien aimé, c'est ça que Jésus-Christ a nous dit. Ça sera difficile de celui qui ne produit pas de fruits d'entrer dans le royaume des cieux. Ils seront stérilisés. Et Matthieu 7, 19 aussi nous dit l'histoire de l'arbre. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera rejeté et jeté dans le feu. Alléluia. Bien aimé, l'arbre qui ne porte pas de fruits, bien aimé. Jésus-Christ nous parle et nous appelle aujourd'hui de porter des fruits, bien aimé. Je vais terminer déjà des fruits que Jésus-Christ nous parle. Bien aimé, des produits, nous connaissons très bien dans les livres de Galates 5, 22. Ne cherchez pas à être jeté dans le feu. Et après, tu vas demander à Jésus plusieurs temps, plusieurs efforts que moi je fais dans ton assemblée, dans ton service. Mais c'est vrai que tu avais fait plusieurs efforts. Mais est-ce que tu avais produit les fruits que Jésus-Christ te demande à produire? C'est ça la question. Parce que notre Dieu est juste, c'est ça la question. Il fait à produire, il produit des fruits. Chacun de nous a annoncé la bonne nouvelle. Et ramener le peuple dans la repentance, c'est ça que Jésus-Christ fait à nos bien-aimés. Bien-aimés, je vais arriver pour la fin. Dans le verset 45, on nous dit, ici, lorsque les chefs des prêtres et des pharisiens ont compris que Jésus-Christ a parlé d'eux, et ils cherchaient à faire mourir Jésus-Christ. Ils cherchaient à arrêter, mais ils ne voulaient pas faire parce qu'il y avait des foules qui étaient là-bas près de Jésus-Christ. Mais ils voulaient faire mourir Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des choses, il y a des gens, lorsque tu lui parles la vérité, ils cherchent à te faire du mal. Il y a des choses, des gens, lorsqu'ils écoutent la vérité, ça trouble leur mémoire. Mais ce que Jésus-Christ nous parle ce soir, de parler toujours la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Jusqu'à les autres, ils vont changer de leur vie. Amen. Parce que les pharisiens, là, ils ont écouté. Les chefs religieux, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais ils avaient endurci, ils avaient fermé leur cœur. De ne pas obéir, de faire ce que Jésus-Christ allait demander. Mais bien aimé, c'est que Jésus-Christ fait en moi et toi de parler toujours la vérité. Même si les gens seront contre nous, les gens vont nous chercher à nous faire du mal, à nous persécuter, à nous lapider comme ils ont fait aux serviteurs. Mais c'est que Jésus-Christ nous demande d'apporter la bonne nouvelle, de parler la vérité, de dire la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle. De dire que Jésus-Christ est ressuscité, répandez-vous. Même si les gens seront contre nous, les gens seront en colère contre nous. Mais ce qui est très important, de dire la vérité. Amen. Même s'ils vont chercher à nous faire du mal comme les chefs religieux voulaient faire Jésus-Christ du mal, comme ils ont découvert que Jésus-Christ a parlé en eux. Bien aimé, ce qui est très important en nous, de parler toujours la vérité. Amen. Et pour terminer, Dieu nous a montré son patience, qu'il est patient. Il a montré son amour à nous. Amen. Bien aimé, Dieu a envoyé premier groupe, était maltraité, tué, lapidé. Bien aimé, il a envoyé deuxième groupe. Et il a envoyé son fils. Dans les premiers groupes déjà, Dieu voulait même tuer les vénéraux. Mais Dieu a montré qu'il est amour, il est patient. Il a envoyé encore deuxième groupe. Et il a envoyé son propre fils comme il avait fait aussi au peuple Ninive. Dieu était capable parce que la Bible nous dit que la colère de Dieu était déjà prête en Ninive. Mais Dieu avait envoyé son fils, Jonas, pour aller prêcher Ninive. Et la Bible dit que Ninive avait écouté la parole de Dieu, avait converti. Amen. C'est ça, Dieu est patient. Dieu peut dire plusieurs fois que nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu est patient. Il nous parle à tout moment. Il nous laisse le temps de se convertir. Il nous laisse le temps de changer nos vies. Amen. Il nous montre son amour. Même la vie que nous avons, nous ne méritons pas vis-à-vis des choses que nous faisons. Mais Dieu est patient de voir nous vis-à-vis de nous. Il nous montre son amour. Et Dieu nous parle aujourd'hui de produire des fruits. Amen. Si tu ne produis pas de fruits, tu seras jeté dans le feu. Et tous les sacrifices que tu fais à l'église ou c'est partout, ça sera en vain. Laisse que notre Dieu nous aide à travers de cette parole, que chacun de nous puisse porter des fruits. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Merci, homme de Dieu,
pour la parole que tu viens de nous partager. J'espère que chacun a eu sa part ce soir. Dieu attend de toi de porter des fruits. Alors, ne sois pas heureux si l'un des membres de ta famille n'a pas encore connu le Seigneur. Ne soyons pas comme des sacrificateurs qui étaient énervés. Mais voyez le cœur de l'homme. On vous dit la vérité, vous comprenez, mais vous vous énervez. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lâcher ce que vous faites. Non, ne nous conduisons pas selon la chair, mais soyons conduits selon l'esprit. Parce que nous sommes ce peuple qui ont reçu la grâce de comprendre les choses d'en haut. Je prie vraiment ce soir que le Seigneur nous aide à porter les fruits d'une de la repentance. En commençant d'abord à changer notre propre caractère. Parce que les fruits à plusieurs niveaux dans la parole de Dieu. Ce qui porte des fruits, c'est ce qui gagne aussi des âmes dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit à Pierre, « Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et plus loin, il leur a dit, « Quand vous porterez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. » Donc, quand vous gagnerez des âmes au Seigneur, comme l'homme de Dieu vient de le dire, nous sommes appelés à amener des hommes et des femmes à la repentance. Comme on a lu aussi ce matin, et que Dieu nous donne la puissance et l'autorité des armes pour amener tous les esprits captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça notre travail, par la puissance du Saint-Esprit, que nos familles soient convaincues, nos amis soient convaincus, que la génération, cette génération soit convaincue que Jésus-Christ est Seigneur, celui qui est venu sur la terre des hommes, mourir pour la croix, pour le pardon de toute l'humanité, et tout ce qui croira en son nom aura la vie éternelle. Il passera de la mort à la vie et il ne rencontrera pas le jugement, mais il sera ressuscité dans la première résurrection pour aller fêter le millénaire avec Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus grand secret. Vraiment que le Seigneur nous soutient ce soir, bien-aimé, et que ce soir, montre que tu es enfant de Dieu. S'il faut se repentir, repens-toi. Si quelqu'un te dit la vérité, accepte et laisse que le Seigneur nous bénisse tout un chacun de nous. Merci, homme de Dieu, pour ces beaux paroles. Que le Seigneur te bénisse. J'aime la parole de Dieu quand ça sort avec puissance. Quand tu étais en train de pécher, il y avait la présence de Dieu qui était là et la parole sortait avec autorité. C'est ça le marque de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il est 21h presque 38. Nous allons prier selon cette parole. Tu vas dire à Dieu d'aider, de t'aider à porter les fruits pour sa gloire, comme notre sœur Félicité a témoigné tout à l'heure. Prie au nom de Jésus. Peut-être tu t'occupais des choses de ce monde, de besoins, de soucis de ce monde, mais tu ne t'es pas occupé de chercher à gagner des âmes. Or, Dieu t'a mis dans ta famille, au milieu de ta belle famille, au milieu des gens qui t'entourent pour pouvoir gagner les âmes. Des fois, tu es déjà dans ce terrain, mais tes pensées, tes besoins, tes soucis physiques t'amènent ailleurs. Or, le Seigneur t'attend sur ce chemin. Il veut que tu puisses porter les fruits dans son vigne. Prions au nom de Jésus que le Seigneur nous capacite encore dans ces temps que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci car ta parole est la lumière. Seigneur, merci parce que ta parole est une glace et nous pouvons nous regarder à travers ta parole. Nous pouvons, Père éternel, Seigneur, fixer nos regards à travers ta parole et pouvoir, Père éternel, nous voir nous-mêmes, voir notre vie, est-ce qu'elle est conforme à ta parole ou pas. Seigneur, merci car tu nous réponds à travers ta parole et tu nous encourages ce soir. Oui, Père, tu m'as encouragé encore ce soir à travers ta parole, Saint d'Israël. Et tu as attiré encore, Père éternel, ma pensée, ô Jésus-Christ, afin que dans ce travail, ton serviteur puisse encore se perfectionner. Afin que dans ce travail, ton serviteur ne puisse pas combattre, Seigneur, Papa, les talents, ce que tu as suscité des hommes et des femmes. Mais au contraire, Père éternel, que ton serviteur puisse manifester l'amour, la joie, la paix, l'unité, Seigneur, la foi au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous attends dans ton travail. Et nous te prions de bénir encore ce moment. Papa, capacite-nous encore. Capacite-moi encore dans ton travail. Soutiens-moi, Père éternel, Seigneur, que je puisse communiquer la foi à ton peuple. Communiquer l'amour, ton amour, Seigneur, ton obéissance, la vie de prière, la persévérance, la dépendance dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Louange à ton nom, Seigneur. Que te dire, ô grand roi? Mes paroles sont remplies de feu de ton amour, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur, d'écouter encore ta voix ce soir. Capacite tes enfants, Seigneur. Aide-nous à porter les fruits, Papa. Aide l'Église à porter les fruits. Aide nos familles, Seigneur, à croire à ton nom. Aide-nous à continuer dans la vérité, dans la persévérance, Seigneur. À toucher nos proches, nos amis, Seigneur, et tous ceux qui nous entourent. À annoncer Jésus-Christ mort sur la croix pour les salis des hommes. Et quiconque croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es celui qui donne le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les capacités que tu nous accordes au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, laisse ta nuit entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te parler encore cette nuit, de te garder, de garder ta maison, ta famille. Aussi, ta famille qui sont proches et ceux qui sont loin, que le Seigneur, notre Dieu, les assiste, les protège et les garde. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Nous te prions de bénir cette nuit, de nous assister, Seigneur, au nom de Jésus, de nous parler, de nous révéler, Seigneur, des choses cachées, Seigneur, que nous ne savons pas, au nom de Jésus. Visite tout un chacun de nous, Seigneur, ce soir. Que cette nuit soit une nuit de miracles, une nuit de guérison, Père éternel, une nuit de visitation, qui ait de l'auto-délivrance pendant cette nuit, au nom de Jésus. Que la puissance de ton esprit soit en action encore cette nuit dans le nom de Jésus. Visite nos maisons puissamment au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que l'armée céleste campe tout autour de nos maisons. Couvre-nous, Père éternel, Seigneur, Papa, par ton sang, Seigneur, alléluia. Que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus durant cette nuit. Papa, nous voulons écouter ta voix. Parle-nous comme tu as parlé, Seigneur, à Samuel. Que les uns, Père éternel, reçoivent des visions, comme Job, Père éternel, avait reçu la vision. Que des hommes reçoivent des révélations, comme Abraham a reçu des révélations, au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants, Père éternel, soient alertés des missions, comme Pierre a été alerté des missions, au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le monde musulman, je prie, Père éternel, ceux qui sont en train de jeûner des carêmes et qui cherchent, Père éternel, la prière, laisse que tu le visites encore cette nuit, comme tu as visité, Seigneur, Père éternel, Saoul dans le chemin de Damas. Au nom de Jésus, je prie pour les salis des âmes, de mes frères, de mes prochains, de mes amis, Père éternel, et aussi, Seigneur, du monde. In the name of Jesus, Papa, bénis l'Église, bénis tes serviteurs et tes servantes qui amènent tes hommes, les femmes et les frères, Seigneur, dans la prière. Bénis, Seigneur, tous tes serviteurs et tes servantes qui sont disposés, qui disposent de leur temps pour annoncer la bonne nouvelle, pour propager l'amour, la paix, la crainte de l'Éternel. Seigneur, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent dans la vérité. Bénis ton peuple, bénis cette nuit. In the name of Jesus, so we pray. Béni soit le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne sur la terre comme dans les cieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Que Seigneur vous bénisse. Hein? Bonne nuit à tous. Et on se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à 7 heures. Et si Jésus-Christ